Ok, donc bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie. Ouh, attendez-moi une seconde. Hop. Où je l'ai mis? Ah, c'est pas vrai. Ok, j'avais retrouvé une mousse pour mon micro. Et je la retrouve plus. Bon, tant pis, pas grave. Elle sera là pour le prochain épisode, je la retrouverai entre deux. Mais une petite mousse pour éviter les trucs comme ça. Voilà. Bon. On se retrouve chez Baldur's Gate. Pour moi, un paquet de jours après, en fait, j'ai fait une pause sur le jeu. Parce que, oui, parce que j'étais un petit peu fatigué, puis j'avais beaucoup de choses à faire, beaucoup de travail, notamment. Donc voilà, donc je reprends Baldur's Gate. Donc pour vous, il n'y aura pas réellement une pause, mais pour moi, si. Et ben, on est reparti. Juste un petit truc, un petit peu de culture. On va juste se charger pour avoir un peu le silence. Voilà. Donc je me suis renseigné sur ce qu'étaient les ducals. Donc en effet, c'est bien une fête communale, mais ce n'est pas que ça. En fait, il y a beaucoup de définitions de ducal. Il faut savoir qu'il y a énormément de choses qui portent ce nom, notamment les des comment des hôtels, des restaurants, des trucs comme ça. Et en fait, ducal, ce n'est pas un nom, c'est plutôt un. C'est pas un adjectif non plus, enfin, c'est quelque chose d'assez spécial, c'est un mot un peu spécial pour qualifier ce qui appartient à un ou des ducs. Donc, un château ducal, c'est un château qui appartient à des ducs. En fait, donc je me suis renseigné, donc c'est ça. Donc voilà, c'est un manteau ducal. J'ai vu l'exemple de la phrase un manteau ducal, c'est un manteau et c'est un manteau qui appartient à un duc. Voilà, c'est la définition du mot ducal. Je l'ignorais, je l'ai trouvé sur internet. Voilà, autre chose, l'énigme. Vous savez, l'énigme de la suite de nombres, là, de 1, 2, 3, 7 et je sais plus quel nombre. J'ai pas vraiment eu le temps de m'y pencher, mais j'y regarderai. Vous aurez certainement le résultat, enfin la réponse à cette énigme avant la fin de la série. Ne vous inquiétez pas. J'y réfléchis, je triche pas en regardant sur internet, mais voilà, je passe déjà pas mal de temps mes journées dans le code PHP. Voilà, me prendre la tête un petit peu avec une énigme comme ça m'énerve un petit peu. Faut que je fasse ça à tête reposée, donc voilà. Quoi qu'il en soit, on est reparti. Donc on reprend notre stratégie. Donc Imoen et ce personnage-là, dont je ne me souviens plus du nom, excuse-moi, tu es. Eldot, c'est ça, Eldot. Eldot, pourquoi? Parce qu'il peut invoquer des monstres. Et Imoen, parce qu'elle peut détecter les pièges. Et ça tombe très bien, parce qu'on va en avoir un peu plus loin. Il nous faut ces deux personnages au moins. On a fait le plein de flèches. Donc il faut impérativement que les autres ne restent pas trop loin. Si possible. Non, 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 non. Hop, Qu'est-ce que ok. vous voulez? Et on va s'approcher du piège. Ok. Hop, excusez-moi, j'ai appuyé sur pause entre deux. Ah oui, évidemment. Elle suit le héros, c'est ça le problème. Une tâche facile. Allez, trouve-moi le piège. Voilà. Bon, alors, il va falloir agir très vite. Toi, tu te mets là, et toi, tu te prépares à invoquer ce qu'il faut. Ok, Imoen te tire, mais tout de suite. Ok. Les autres à l'attaque. Ok. Et toi, tu vas en réinvoquer mes masses, quoi.
On va utiliser toute une baguette jusqu'à ce que ce soit suffisant. Attendez, parce qu'il en manque là. Ouais. Ah, génial. Ok, alors vous êtes très connes, les filles. Et non, je dirais pas comme toutes les filles. Faut pas déconner non plus. Allez, allez, si tu peux. Oh non! Ok, il y avait un autre piège. Bon. Ok. Notre héros. Oh putain, non. Ok. Bon. Là, on est dans la merde. Mais sérieux, ils ont combien de points de vie, les mecs? On en a eu un. Oh non, 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 certainement pas. Alors toi, certainement pas. Tous ici. Vous allez refaire le tour en vitesse. Vous êtes une bien étrange, j'en ai assez. Ok, et toi? Que vous êtes maussade. Tu vas la fermer déjà, premièrement, et tu vas me réinvoquer une sérénité. Ok. Sérieux, ils sont imbattables ces mecs. Faut vraiment le faire au tour par tour, quoi. Non, c'est pas ça que je te demandais, c'était ça. Ok, bon. Ok. Et vous tous là?
Oh non, 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 vous dissipez pas, les mecs. Ok, on l'a eu. Moine ici. Avec notre héros, ok. Bon, on va voir comment, on va voir les premiers mobs qui vont commencer à disparaître. On va commencer à avancer sans Imoen. Même si... Et putain. Bon, ok. Là, on peut plus progresser. Là, on ne peut absolument plus progresser. Il me manque Imoen, ok. Bon, on ressort. Je vous épargne la F6 quand même, parce que ça fait 10 minutes que vous avez sous le nez. Ok, notre héros est vraiment con. Allez, on se retire. Si ça dure trop longtemps ce passage, sérieusement, je vais l'accélérer. Putain, mais les filles, merde. Le pire, c'est qu'on peut pas dormir ici, quoi. Les mecs, le labyrinthe est en bois. Réfléchissez un petit peu. Cramez tout. Cramez tout, bande de cons. Putain. Pourquoi est-ce que quand il faut sauver le monde, c'est les plus gros abrutis qu'on envoie, sérieusement. Vous allez pas me dire qu'il faut obligatoirement cette ligne-là sur le CV. Bon. Ok, on a une idiote qui est coincée. Hein. C'est Jaira, oui. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Non. Un aubergiste ici, est-ce qu'il faut ou pas? Ah, et puis c'est Imoen qui est toujours chef de groupe résultat. Moi, tout ce que je veux savoir, c'est s'il y a un aubergiste ici. Bienvenue, mes petits amis. Remettez-vous à l'aise, je vous prie, et gardez vos armes près de vous.
putain. Bon. Au moins, je suis sûr d'un truc. C'est pas lui l'aubergiste. Ah oui, il fallait que je la sorte, hein. Je suis désolé. Bon, y a-t-il un aubergiste ici, s'il vous plaît? Roublard, ok, d'accord. Alors, attendez. Ok, visiblement on est obligé de sortir. Le problème c'est qu'on a des problèmes dehors. Ah non, il y a quelque chose ici. Ok, on va aller voir ce qu'il y a ici. On a eu de la chance encore. Passons aux choses sérieuses maintenant. Ok, on a comme un souci. Bon. Y a pas, faut qu'on sorte. Faut aller se reposer. Bon. Allez, ouais, je coupe pas. De toute façon, c'est juste du repos, de la régène, comme d'hab. Voilà. Allez. Choisis en priorité les. Le serviteur, c'est comme si c'était fait. Voilà. Ok. J'irai à ton tour. Lui plus baissé. Bah, je suis en priorité. Voilà. Il manque un point de vie, je crois. Ouais, bon. On soignera au détail un peu plus tard. Pour le moment, je soigne vraiment les. Ah, oh, t'es obligé de passer avec ton tracteur à ce moment-là, toi, connard. Bon. Bon, commence déjà à avoir un peu plus de tronche au niveau vie. Sauvegarde. Disons que c'est un petit peu moins sanglant. Ok. Donc là, on est bon. Allez, on va les caïds entièrement.
point de vue là, non? Ouais. Tellement d'endroits où j'aimerais être. Ouais, bah t'es pas le seul. Allez. C'est bon, t'es healé, tu te casses. Oui. Et notre héros n'a plus de soins, il me semble, de toute façon. Non. Alors, Jérôme. Tu vas plus baisser de toute façon. Ok, Jaira est entièrement guéri. Notre héros, ce serait sympa de le guérir entièrement aussi. Ok, très bien. Et pour finir. Non, pas pour. Bref. Et comme ça, il ne restera plus que l'autre voleuse à soigner. Et on en aura fini pour ce healing. Chargé. Non, pas chargé. Oh le con. Oh mais je suis n'importe quoi. Annulé. Chargé parti. Sauvegarde. Chargé. Putain, faut que je recommence ça. Bon ok. Ok, désolé, c'est de ma faute. Bon. On va dire que c'est pas trop grave. Allez. Ok, notre héros. Imoen. Et notre héros va pouvoir soigner. Ouais, en fait, j'ai du mal à gérer les sorts parce que là, je vais pouvoir heal. Ah non, je vais pas pouvoir heal tout le monde. Ouais, il va y manquer un peu de soins. Voilà. Donc sauvegarder ce coup-ci. Je fais pas la même bêtise. Un petit repos. Bon. Si je se repose maintenant, pourquoi qu'est-ce qui se passe? Ok, il y avait un sort en cours. Ok. Allez, dernier soin. Parfait, allez. Et je récupère le soin quand même dont j'ai besoin. Allez, on se tire de là. J'en ai assez. J'en ai assez. Ok. Ok, tout va bien. Allez. J'en ai assez. Pas évident, hein. Allez, on est reparti. Allez, question con, est-ce qu'ils vont arriver jusque là-bas? J'y crois pas. Moi, je m'en vais. On va essayer. Ok, alors veuillez m'excuser pour la coupure premièrement. Et ils sont trop débiles. Sérieux quoi. Je sais pas en quoi était codé ce jeu, certainement on sait, mais. Ok.
Heureusement qu'elle suit le héros en fait. En fait, elle suivrait pas le héros, elle se paumerait. Allez, il reste plus qu'une étape. Celle-là. On va même la mettre comme ça. Donc pour dire pour comme ça faire le positionnement exact, hein, j'utilise le clic droit et enfin le glisser-déposer, mais avec le clic droit. Donc voilà, c'est tout. Bon, et il y a combien de pièges à la suite là, ça? Parce que j'ai marché sur au moins 3 pièges à la suite, quoi. De toute façon, on va prendre nos trois personnages principaux. Sachant qu'Imoen, on va la mettre en détection des pièges. Allez, on va s'avancer au moins jusque-là. Apparemment, il n'y a pas de piège là. Ah, ok. On va faire avancer les autres personnages jusque-là. Toujours en détection des pièges. Voilà, c'est au moins juste là. Bon, j'avance vraiment prudemment, hein, mais. En plus, il y a des bruits assez stressants. Ok, là apparemment, il va y avoir un piège. Les symboles rouges, je suis sûr que ça symbolise les pièges. Là, on va les laisser comme ça. Puis-je vous aider? Les autres, on va les avancer jusque-là. Donc, pour sélectionner comme ça plusieurs profils, j'appuie sur CTRL, hein, évidemment. Comme quand on sélectionne plusieurs fichiers, on peut appuyer sur CTRL et sélectionner plusieurs fichiers en cliquant simplement sur eux. Imoen, là, tu me détectes quelque chose, là, tu te fous pas de moi, là. J'en ai assez.
Ok. Oh, oula! Bon, ici, il n'y a clairement rien. On va sauvegarder quand même pour avoir désactivé les différents pièges, et puis sachant qu'on n'a pas sauvegardé depuis qu'on a soigné tout le monde. Je suis un peu en stress, les amis, je vous le cacherai pas. Ok. Toujours avec les chandelles. D'accord, ok. Puis tout à l'heure, j'avance comme ça, l'arrache. Bon. Les autres, on peut peut-être les ramener jusque-là, quoi. Puis elle. Elle a décidé de plus suivre le héros, je sais pas pourquoi. Bon, que nous dit la carte? Ça pas l'air d'être là en tout cas, hein. On va continuer tout droit. Non, ça tourne vers l'intérieur. Ça ne veut pas être par là. On va prendre par là. Et on va aller à droite. Quoi ce truc? On s'attaquait, ok. Par je sais pas quoi. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ça nous attaque. Un rôdeur invisible, ok, d'accord. Ok, on est en train d'y mettre trop cher. C'est bon. On va juste devoir le soigner un peu. Dégâts. Ok. Par contre, elle est repartie à Pétaouchnok. Ok, elle est perdue en fait.
Ok, et on est également à court de flèches sur notre héros. Je vais jeter un oeil à ça. Ça part trop vite les flèches avec notre héros. Khalid, il combat moins. On va lui mettre moins de flèches. Cinq pièces d'or, ouais, bon. C'est comme si c'était fait. Bon, une moyenne détection des pièges. Quel est votre souci? J'en ai assez. Ok, en plus tout ça pour ça. J'aime bien l'ombre qui reste. Bon. Donc, tout ça pour ça, mais au moins on est fixé. C'est pas par là. Je propose une chose. Vous avez quelque chose, c'est comme si c'était fait. C'est bah déjà qu'on sauvegarde. Qu'on sauvegarde et qu'on continue tout simplement. Mais alors, je pense que j'étais à une demi-heure avant la coupure, non moins que ça. J'étais peut-être à 20 minutes avant la coupure. On va partir là-dessus. J'étais à 20 minutes avant la coupure, donc on est à 35 minutes de jeu actuellement. Normalement. Je vérifiais juste qu'elle soit toujours en détection des pièges. Ok. Là, c'est même pas que je sens le piège, je sais qu'il y en a. C'est fait. Bon, ils ont pas été très très créatifs hein, quand même hein, sur le labyrinthe. Hein. Et ça, tu l'as pas vu, grosse conne. Ok. Et l'autre, non, tu l'as pas vu. Ok, très bien, tout va bien. Vous êtes une pierre.
qu'on va se faire attaquer là, au coin de ce truc là. On le va. serviteur de Dame Nature attend. On va rapprocher les autres. Ouais, elle est déjà avec nous. Hop. Pour le groupe. Ça, on va procéder comme ça parce que s'ils sont tous les 6, ils se poussent et ça le fait pas. Ok. Qu'est-ce que vous voulez? Et maintenant où? Attendez, Imoen est toujours en détection des pièges. Hein. Oui, on est d'accord. Ne venez pas m'ennuyer. J'en ai assez. D'après moi, logiquement, ça doit se trouver par là. Logiquement, là on a des zones fermées. Je vois pas où ça peut amener. À mon avis, soit c'est un escalier, mais non, c'est pas possible. Ah, si, c'est un escalier qui peut descendre en sous-sol. Soit il y a un escalier ici et là ou là, soit il y a une porte qui doit nous mener par ici. Pour moi, logiquement, ça doit être un de ces deux trucs là. Ok. Par là, ça sent le cul-toc. Ouais, par là, ça sent le cul-toc. Je pense qu'on va partir à gauche. Le pire, c'est que j'ai pas vu les traînasses vertes. À mon avis, les pièges, ils sont signalés en vert quand même. Ok, qu'est-ce que je disais? Ok, il y a quelqu'un ici. Votre fin est proche, en Paris. Alors, Winsky Perourat. Ma foi, je pensais bien que ce serait vous. Une vraie petite réunion de famille, pas vrai? Je sais que vous... Je savais que vous alliez me suivre... Tous les deux, vous êtes du même sang, combattez-le de peur qu'il ne vous extermine. Quand ça lui chante, c'est pas que ce serait grave, vous l'avez déjà battu. Ses plans sont fichus et ses alliés s'enfuient en masse. Des dessins si nobles pourtant, mais personne n'a compris le véritable désir qui les animait, sauf moi bien sûr. Malheureusement, je ne suis plus rien aujourd'hui, mais que pouvais-je espérer d'autre? Quel rôle jouez-vous? Mon rôle, j'étais le mentor de Saveur Rock. Je l'ai initié au plus noir rituel. Si jamais il devait réussir, nul doute que je serais sur la liste des morts. Mais mon nom se perpétuerait à travers lui. Il y a des choses au-delà de la mort. Si vous mourrez comme il s'y aide. Bon, je sais pas. Comme il s'y aide. Et comment l'histoire pourrait-elle oublier l'architecte qui a bâti les actions et les grandeurs du seigneur du meurtre? Vous ne pourriez pas comprendre. Vous êtes là pour affecter les royaumes. Le reste d'entre nous doit se tailler sa place par tous les moyens possibles.
On essaye d'en savoir plus? Allez, pour ceux qui voudraient en savoir un peu plus sur le jeu. Oh, vous devez maintenant connaître son plan après avoir suivi pratiquement chacun de ses mouvements. Sans doute les mêmes désirs vous animent-ils, mais vous les avez canalisés autrement. Non, la guerre avec Amn n'était pas son véritable but. Savorok n'a rien d'un profiteur. Le massacre. Voilà ce qu'il voulait. Il est assez de victimes pour allumer le feu dans son propre sang divin. Il considérait que, donné à une grande échelle, la mort favoriserait son ascension. Peut-être avait-il raison, qui sait? Si vous avez l'arrogance d'un dieu et que vous pouvez tuer comme un dieu, qui irait prétendre que vous n'êtes pas un dieu? Si vous avez l'arrogance d'un dieu et que vous pouvez tuer comme un dieu qui sort. D'accord, ok. Bon, non, on va le buter parce que. De toute façon, je vais mourir. Savarok me laisse ici à cause de mon échec. Il voulait que je règle le sort des grands-ducs au lieu d'organiser son évasion comme je l'ai fait. Il refusait d'envisager l'échec, faiblesse commune à ceux qui se considèrent comme étant des dieux. Il s'occupera de moi dès qu'il saura que son premier coup n'a pas causé ma mort. Faites ce que vous voulez, je n'échapperai pas à mon sort aujourd'hui ou demain. Bon, on est un peu mal aimé. Mais on s'en cogne. Est-ce qu'on va se racheter quand même de la réputation? Ah non, 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 classe. Putain! J'ai pas vu que j'avais perdu ma classe de paladin. Bon, excusez-moi. Donc, bon. Paladin déchu. Bon, bah, on va voir ce que ça donne. Mon expérience a redescendu. Je suis toujours niveau 7, mais j'ai redescendu en expérience. Donc je peux peut-être augmenter de niveau. Je vais essayer. Bon, on va. Ouais, de toute façon, j'ai sauvegardé. Il y a une sauvegarde automatique. On va se mettre en mode. Hop.
Ok, on va suivre cette rivière, on verra bien ce que ça donne. J'ai sauvegardé, je découvre tout, pas de détection des pièges, que dalle, on verra bien ce que cela donne. Bah, de toute façon, attendez, je vais juste voir si je peux recharger plus tôt. Parce que ça m'ennuie quand même d'avoir perdu ma classe de... Ouais. Il y avait des pièges plus loin. Ouais, tant pis. Écoutez, tant pis. Je pense que c'est bon, je pense que tant pis. Je peux pas échapper ça. Non. Avec un joli bug graphique à droite. Enfin, soit. Non, c'est pas ça que je voulais, c'était ça. Vous avez besoin de quelque chose? Ok. Dans l'endroit pour croiser. Des vivants de la surface. Je me demande ce que vous faites ici. J'imagine que vous avez un lien avec le dénommé Saverok Antchev. Avant de poursuivre, pouvez-vous me dire qui vous êtes? Je m'appelle, mes amis et moi sommes des mercenaires au service du trône de fer. Ok, d'accord, vous allez crever, les gars. Nous avons été envoyés pour traquer Saverok. Il semble qu'il soit venu fou. Et ah, bah en fait, non, ce sont des bons. Parce que le trône de fer s'est retourné contre Saverok. Il est recommandé de tuer tous ceux qui se dressaient sur notre chemin, y compris Reltar. Mais le trône voit d'un mauvais œil que l'on assassine ses dirigeants. Vous savez plus que vous. Plus je vois. Attendez, attendez. Plus je parle et plus votre visage me familier. Vous êtes MDG de Normandie, n'est-ce pas? Bon, c'est mon jour de chance. Vous tuer va vous reporter une belle rallonge. Je regrette, mais tout ce que l'on cherche, c'est votre cadavre. Ok! Taïo! T'es qui l'abruti qui tire avec des flèches? Bon, ok. J'ai un peu mal géré. Un peu. C'est tout. Oh, bon, je sauvegardais après cette cinématique, je le sens bien parce que... un mage, un troll, deux guerriers... Bah écoutez, je tente juste un truc et je vous reprends tout de suite après.